la vieille route qu'ils réparent est plus belle que nos routes neuves qu'ils font au Québec. Fait que, tu sais, là, tu te dis, là, tu peux pas avoir de meilleure attente que ça, là. On peut voir une baleine ou des baleines, je sais pas. Fait que là, tout le monde se garoche sur le quai. Encore tout un mélange de routes plus intéressantes les unes que les autres. À ce que je vois, Christian a trouvé de la lecture. Mais je peux te dire, mon Christian, que tu n'auras pas vu la fin de l'histoire parce qu'on n'a pas fini de voyager. Podium Trailer garde ma remorque habituellement l'hiver, puis à plusieurs reprises, ils m'ont confié qu'ils auraient pu la vendre direct comme ça, tel quel, avec tous les stickers. On va se préparer pour l'Ouest canadien. Pas trop compliqué que ça. Puis il y a plein de belles places à manger, ça fait quasiment partie des attractions. Bon, les plumes. Sur le siège de la moto à Pascal, il y avait un petit arrangement, fleurs, du feuillage, puis une plume. Moi, les plumes, pour moi, ça a une signification très importante dans ma vie. Fait que Pascal il a été super fin, puis il a mis la plume après son guidon de moto. On a su finalement que c'était Mario, notre conteur de blagues, c'est lui qui avait fait ça. Oh, pis c'est entouré de belles petites montagnes abruptes. Ouais, ben, c'est décevant. Jimmy Davis, on s'attendait à de quoi de spectaculaire. Mais ça fait pas mal quand on bouge, ça fait vraiment un peu comme les maisons aux États-Unis où ce qui laisse tout aller, là, puis des chars pourrir en arrière. J'ai eu la chance dans un restaurant, deux, trois jours avant, de rencontrer en personne Jimmy Davis, puis de lui serrer la main. Fait que ça fait encore plus spécial dans mon corps. Ouais. Ben nous, on allait à Hope, qui est un village que j'ai trouvé extraordinaire. C'est à Hope que la gang est revenue de Victoria. Tout le monde a été vraiment très, très, très supportive. Puis on a continué en auto. Le reste de la randonnée, on suivait vraiment la gang, on était les derniers en arrière. Ben, comme j'avais pas pris d'image de la mésaventure de Guy, ben j'en ai pas plus pris quand on s'est retrouvés par respect. Je peux vous dire que nos règles sanitaires ont pris le bord, parce qu'on avait juste le goût de les prendre dans nos bras. Mais après tout, on était juste une grosse bulle familiale. Oh, c'est vraiment une belle ville. Ce qu'on remarque, ben, peut-être que c'est partout dans la province ou dans l'Ouest canadien. Les drapeaux sont en berne, comme vous pouvez voir, à cause des enfants autochtones retrouvés un peu partout dans l'Ouest. C'est une ville qui est très riche en culture, très riche en art. Des sculptures de bois faites à la scie à chaîne, vraiment impressionnantes. Très bien fait, c'est quasiment pas croyable que c'est fait à la CHN. Quand on est arrivé à Hope, j'ai envoyé la gang avec Danny voir Othello Tunnel. Je me souvenais que c'était beau. Je suis bien content parce qu'à leur retour, ceux qui avaient été voir Othello Tunnel ont été emballés. T'as-tu vu Rambo? J'ai pas vu Rambo. On a vu jusqu'à tomber de la falaise. On a piqué une couche jusqu'à...
As-tu vu du sang? Est-ce que c'était coupé le bras? C'était coupé le bras. Circousu. Circousu. J'ai vu du caca d'ours. Moi, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de la Coquille, qui est une route, pour moi, une route fétiche, une route que j'aimais faire. Puis Pascal puis Danny ont tout fait le tracé des choses. Puis après ça, ils commençaient à nous dire qu'on pouvait inclure des choses qui avaient, c'était pas toujours coulé dans le béton. À mon grand plaisir à moi, vu qu'il y a un, il y avait des feux de forêt, on n'a pas eu le choix, on est obligé de faire la coquille à l'heure. Puis on l'a fait sur 93 km. Pour moi, ce fut fantastique, parce que là, j'ai revu des places qu'on voit à la télévision, puis au moins, je pourrais dire que j'ai fait ce qu'ils appellent la route de l'enfer l'hiver. Dans le lying on the shore, you put me to your ear and I'll whisper what today I just can't say. Then you throw me back into the water and forget you ever found me and forget you ever lost me. Philadelphia with a rod in my hand. I sure am no saint, I am no righteous man. I don't miss the cold, but I do miss the sand. It takes some adjusting, and I know that I can. And I tell you, I am no righteous man. Vous avez peut-être remarqué qu'on repasse sur une certaine portion de route qu'on a faite au début du voyage. Mais c'est parce qu'en 2018, on avait fait l'Ouest canadien, puis je ne voulais pas repasser sur les mêmes routes. Donc, j'ai redessiné une espèce de gros 8. Puis dans le X de notre gros 8, bien, c'était exactement la portion où il y avait beaucoup de feux de forêt. Darkness nearly drowned me. Sunlight alone, don't it burn my eyes. Toujours plaisant d'avoir de l'aide. Danny fait tout. Oui, on va tout faire. Demandez, vous recevrez. C'est lui qui paye? Faut pas ambitionner, là. Pousse, mais pousse égal, là. Mountains so very high. My cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. My cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. I got to work at Chelsea's bar. I should have turned her away, but I was out of sea. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely. J'ai acheté une queue de castor. Mais si tu veux manger de la tarte, t'es bienvenu. Là, c'est pas si pire, il nous en reste pas trop long, on est bien content d'arrêter. Mange-le pain.
typiquement québécois, genre cabane. Moi, là, j'ai mangé la meilleure poutine de ma vie. C'était une poutine au smoked meat. Puis Pascal a mangé la meilleure tarte au sucre de sa vie. 1, 2, 3, go! All good? Toi, t'as dit que t'en prenais pas. On va le faire tirer. Ben, je connais bien des alcools. On va le faire tirer, OK? Ah, si tu as gagné! Sunlight burned my eyes. This valley is much too deep. Mountain so very high. I gotta lay down and rest. Le Williams Lake, ça c'est où que, ils construisent des maisons en bois rond. Puis ça c'est Maurice, mon chum, qui tripait bien raide là-dessus. Ah, moi ça a été Williams Lake. Il y a une émission qui est sur les maisons de bois rond. Moi je suis en construction, fait que ça m'attire encore plus. C'est une émission que j'écoute depuis des années. J'avais hâte d'aller là parce que les usines, j'ai vu des places que... Ils ont fait que j'avais vu dans des émissions, là que j'ai vu live. Pour moi, ça fait mon voyage. La bonté de cœur de tous ces gens-là, c'est vraiment Pascal, Manon, ils ont toujours été présents. Ils n'ont jamais laissé leur place à qui que ce soit d'autre. C'est très, très bien. Puis tout le monde passait voir si tout était correct, si je me sentais bien. Notre troisième voyage avec Pascal, puis on n'a pas hésité une seconde à reprendre l'aventure avec Pascal parce que les deux premiers voyages ont été merveilleux. Puis celui-là, il est aussi merveilleux. Et on savait qu'en venant dans l'Ouest canadien, une deuxième fois, on découvrirait des nouvelles choses. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Take another step down this lonesome road.